Bonjour les amis, ben voilà. Alors la visite de la ville, le Mans, célèbre pour ses 24 heures du Mans. Voilà. Donc ancienne ville, je sais pas comment ça se passait. Cathédrale peut-être, ancienne ville, les rues, tout ça. Petite vidéo, mais bon, comme je suis là, histoire de marquer le coup. Allez, je reprends plus tard. Et voilà, arrivé à la cathédrale Saint-Julien. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, c'est le vieux Mans. Donc allez, on va se faire une petite cathédrale, histoire de profiter. Il fait bien chaud aujourd'hui encore. Et j'ai vu toute la semaine prochaine, ils annoncent du gros soleil, donc c'est cool. Donc voilà, cathédrale Saint-Julien. Je reprends à l'intérieur. L'entrée est bien là. Et il y a du monde. Mais je ne sais pas si c'est ouvert. Tout le monde est dehors. Tout le monde est. Je vois pas de porte. À l'entrée. C'est magnifique. Oh. Allez. Ah, il fait du bien, c'est bon, c'est frais. Voilà. Visite de la cathédrale Saint-Julien au Mans. Donc je marche un peu, montre un peu tout ça. Quelques photos. Et voilà, après les ruelles. Elle est belle. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Préparation pour un mariage. Voilà, on va passer. Oh, encore une rosace là-haut, comme à Tours. Ouf. L'orgue. J'ai essayé de faire la vidéo de là-bas après. Et la photo aussi. Ici, Saint-Joseph, Sainte-Anne. Sainte-Anne, Saint-Joseph. Voilà. Michel, Gabriel. Elle est très grande, hein. Elle est très très grande quand même. Hein.
Pour avoir les petites pièces, souvenirs, médailles souvenirs, collection nationale de Paris, Porche Royal, cathédrale. Trop beau. Sculpté et tout, regardez là. Très très beau, très très beau. De l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau? Ah non. Non, il n'y a pas d'eau. Non, il n'y a pas d'eau. C'est magnifique. Allez, je reprends à l'extérieur. Et voilà, fin de la cathédrale. Honnêtement, j'espère que vous avez apprécié parce qu'elle était magnifique. Allez, je continue. Direction le centre. Ruelle, ruelle, ruelle du Mans. Tout sympa. Pavé. Vieille maison. Ah. Une. Deux. Donc il est 15h. Voilà, et là je crois qu'il y a une sorte, je sais pas, une grande place. Place centre ou un truc comme ça, je vais regarder. Donc, je vais filmer, comme ça on aura déjà fait le tour un petit peu de. Ah oui, d'accord, c'est une grande place toute moderne. Ok, d'accord, la cathédrale est juste là. Allez, hop, sur le côté, là il y a une grande grande place. Allez, je continue la visite. On y va. Suite de la visite. Regarde-moi ces maisons. Ils sont trop beaux. Ils sont trop trop beaux, trop trop beaux. Regardez. Hop, 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 hop. Magnifique. On voit pas nos ramages, je sais pas. Je sais pas si je pourrais le voir, mais bon. Je vais voir ça tout à l'heure. Ça va, il n'y a pas trop de monde, c'est plutôt calme. Les maisons, c'est trop beau. Allez, je suis directement l'esplanade. Magnifique. Il y a du monde, hein. En fait. Plus je m'enfonce dans le truc historique, et plus il y a du monde, et plus il y a du monde, et plus il y a du monde. Donc voilà. Petit jardin. Petit jardin. Voilà. L'esplanade. Un super cerisier avec des fruits qui commencent à. Allez, je sais pas si on va les voir. Voilà. Allez, bah je vais essayer d'aller voir ça là. La tour là. Ouais, je sais pas ce que c'est. Et voilà. Alors je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est ouvert parce que là, la porte, elle est ouverte. Donc ça devrait être sympa. Je marquerai le nom de cette église si je la trouve. Par contre, il y a des. Avait partout. Ça fait beaucoup. Mais en tout cas, elle est belle. Elle est comme ça, elle est déjà magnifique. Alors, église catholique en Sarthe, mais ce fils à Saint-Benoît. Donc, Saint-Benoît. Voilà. Allez.
jolie, jolie aussi, jolie petite église en fait. Et je vais ressortir par là, comme ça je verrai peut-être mieux. La grande tour. La grande tour. Voilà, voilà, voilà. Les bougies. Eh ben, magnifique, magnifique église, vraiment. Très très belle, très très belle, très très belle. Et je reprends à l'extérieur, et puis ça sera la fin de la vidéo. Pour ce qui est Le Mans. Voilà les amis. Très beau. Très très beau, très très beau. Allez, je reprends à l'extérieur. Chapelle de la Visitation. Alors ça, c'était pas prévu du tout. Mais bon, après une cathédrale, après une église, petite chapelle, pourquoi pas. Oh, oh là là. Oh, c'est magnifique. Super, vraiment super. Allez, je reprends dehors. Bah voilà, visite de la chapelle de la Visitation. Bon, ouais, c'était plutôt beau, joli. C'était pas prévu, mais bon. Voilà, c'est ça aussi, tombé comme ça. Tombé dessus sans le vouloir. Donc voilà, et là je vais voir une petite église, église de la Couture. Mais ça sera vraiment une petite vidéo pour ça. Et après, de toute façon, j'arrêterai de filmer. Et ça sera fini. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et ben voilà, donc l'église de la Couture. Juste là. Donc, petite visite intérieure. Ça sera fini. Et voilà. Et voilà, voilà. On va rentrer par la grande porte. Ah, oh, il y a même potager. Un petit truc là. C'est cool. C'est sympa. Allez. Regardons, regardons, regardons. Petite visite. Rapide, mais petite visite quand même. Hein. Très beau, absolument rien à dire. Magnifique. La lumière, c'est possible de mettre la torche. Attendez, hop, 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 est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Alors, vous verrez pas grand chose. Ou si, une crypte, j'adore.
superficie de villa. Allez, suite des vins, vraiment magnifique, avec une belle crypte et tout. Je sais pas ce que c'était, mais voilà. Allez, je retrouve dehors pour la fin de cette vidéo qui, j'espère, ne sera pas trop longue. Parce que là, il y a quand même église, chapelle, cathédrale. C'est pas mal. Bon, allez, à tout de suite. Ben voilà, Notre-Dame de la Couture. Donc, visite de la ville de Mans, honnêtement, super, vraiment très très beau. Il y a du monde. Je disais au début, il n'y a pas beaucoup de gens, mais en fait, c'est arrivé d'un coup. Donc voilà, quant à moi, je trace direction Lorient. À bientôt.